Lorsqu'on avait fait des gîtes, hein, c'était dans les années 82 à 85, je crois, si ma mémoire est bonne. On avait fait un groupement d'artisans et nous, je crois que nous étions 53 ou 4 artisans. Bon, vous faites le tour aujourd'hui, uniquement les charpentiers, il en reste pas mal. Mais les autres, vous les comptez facilement sur les doigts de la main. Dans les années 90, je pense qu'il y avait une cinquantaine d'artisans, enfin les artisans avec leurs salariés. Et aujourd'hui, normalement, je pense qu'on serait plus que, même pas la moitié, 20 ou 22 à peine de la vallée. Je crois que malheureusement, pour l'avenir, ça va être compliqué. Parce que je me rends compte que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas trop intéressée par les métiers du bâtiment et surtout les métiers manuels. Parce qu'il y a pas mal de contraintes, enfin, comme dans tous les métiers de toute façon. Mais puis les jeunes d'aujourd'hui veulent voir d'autres horizons et découvrir autre chose. Il y a des corps de métiers qui n'existent plus, comme les carreleurs, les plâtriers, tout ça. Donc ils viennent tous de long. Et puis les gros chantiers, les maçons, c'est des petites structures ici dans le bâtiment. Donc les gros chantiers du style maison de retraite, tout ça, les artisans d'ici, ils ne sortent pas pour les chantiers. Donc c'est les gros centres de plus de Laurent ou d'ailleurs qui viennent. Nous, on a travaillé aussi beaucoup pour des maisons secondaires. On a tué un peu les cœurs du village. Il faut le reconnaître. Alors aujourd'hui, nous, résidents secondaires, c'est 40%. Le reste, c'est la rénovation, 60%. Et dans le neuf, on est tombé depuis 2 ans, à peine 10 ou 15% de maisons neuves quoi, à réaliser en Vallée d'Aspe. Et c'est le gros souci, c'est parce que là, les pavillonneurs, tout ça, ils viennent en Vallée d'Aspe. Parce qu'ils arrivent avec leur maître d'œuvre, ils ont déjà les plans tout établis, ils ont leur artisan, et puis ils ne nous demandent plus. Quoi. Voilà. On est de moins en moins sollicités. C'est pour ça qu'à l'avenir, il faut travailler avec un maître d'œuvre, un architecte. Vous savez, je me souviens quand je rentre là, on disait déjà à l'époque, en 64-65, oh, ça ne fait rien, d'ici 75, il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien. Nous sommes en 2017, alors j'ai révisé mon point de vue. Bon, la vallée continuera. Au niveau des artisans locaux, pour arriver à gagner des marchés relativement importants, nous avons créé, en quelque sorte, une petite association inter-artisan. Et là, le fait de faire des groupements et de s'arranger entre nous, on arrive quand même à récupérer quelques marchés. Alors bien sûr, c'est du tracas pour celui qui prend le chantier parce qu'il doit tout coordonner. Le contact avec le client, puisque c'est très souvent des rénovations, donc c'est contact par mail ou par téléphone. Et bien sûr, il y a des comptes à rendre par rapport à ces chantiers. Donc il faut que tout le monde joue le jeu, mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive quand même à se débrouiller pas trop mal par rapport à ça.